Et re tout le monde, on arrive au bazar. Et j'ai l'impression de retourner dans une zone où je n'ai pas le droit d'aller. Ce qui est plutôt étrange, non c'est bon. J'allais dire, c'était vraiment bizarre que je peux pas aller dans cette zone. Mais bon, à mon avis, c'est là qu'il va y avoir le dernier kill à faire, je pense. Kong, j'ai de bonnes... Kong. Lui doit être mort, lui. Oh merde. C'est A. Qui va là? Je suis armé. Ce n'est que moi. Ah, oh, le petit pinson qui revient au nid. Et les mains vides. Regarde. Ceci t'aidera à faire sortir tes marchandises du port. Ha! Je n'ai pas douté de toi un instant. Viens, buvons en souvenir du bon vieux temps. Je vais même faire ton thé préféré. Qu'as-tu trouvé là-bas? Qui est derrière tout ça? Un homme, du nom de Javid. Il travaillait pour quelqu'un qui recherche un objet, un artefact. Une épingle à cheveux, pour être exact. Exotique et importante. Je dois découvrir pourquoi. Il le faut. Tu as changé, petit pinson. Ou devrais-je oublier, petit? La dernière fois que je t'ai vu, tu volais dans les rues. Et à présent... Enfin bref, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parfois, il vaut mieux laisser la pointe dans la plaie pour éviter de saigner. Bon, maintenant ce que tu m'as promis. Une invitation aux enchères. Seuls les invités les plus distingués en reçoivent. Ne me demande surtout pas d'où elle vient. Je serai obligé de mentir. Ce rouleau te permettra d'entrer, sans même avoir à te faufiler dans une de mes caisses. C'est ça, ton plan? Certains ont enduré pire pour parvenir à leur fin. Quelqu'un d'important cherche l'épingle à cheveux. Mais l'a laissé lui échapper. Il ne lui reste plus qu'une chance. Les grandes enchères. Rien d'autre pour l'instant. Roshan et Rebecca doivent sûrement m'attendre au bureau. Ah Dieu, on doit aller au bureau. Donc on va avoir le droit encore à du blabla. Mais à mon avis, ça sera le dernier blabla. Après, je pense qu'on va attaquer notre cible. Je pense, en tout cas. Ça irait dans l'ordre des choses, en tout cas. Anan, bonjour. Attention, petit. Allez, on va savoir un petit peu ce qui nous attend. Notre assassin prodigue est de retour. Enfin, tu as retrouvé ton chemin. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Celui que nous cherchons est un Demioun. Quelqu'un qui n'est pas de Bagdad. En es-tu certain? J'en ai la preuve. Il travaillait avec le collecteur d'impôts et le capitaine du port. L'un employait les gardes pour malmener et faire payer les Demioun. L'autre saisissait des biens sur les quais. L'extorsion, je peux comprendre. Mais des saisies... Encore des objets datant de ces êtres anciens qu'il vénère? Il cherche une épingle à cheveux rare, arrivée par la voie de l'Est. Elle sera mise en vente au Dairat al-Mal. Une invitation officielle aux enchères. Nous pouvons désormais y entrer. Bien joué. Notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kololo, une personne travaillant de près avec les autorités. Nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife, qui s'intéresse de près aux activités de Kar. Un tel personnage fera forcément une apparition lors du Dairat al-Mal. Nous devons nous préparer. Je pars inspecter les lieux. Retrouve-moi près du souk lorsque tu seras prêt. Nous ne savons pas grand-chose sur cette personne. Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Tu t'inquiètes? Je serai très prudent. Bon bah du coup c'est pas du tout la cible qu'on va... qu'on va attaquer. Et du repérage, bon. On va pas se plaindre, hein. Ça pourrait être pire. Oh, je crois que j'ai sorti par la mauvaise porte. Ah, oh, mais allez, mais monte sur les trucs. Mais non, mais... Ah, oh, bon, allez. Le maniement est toujours quelque chose d'assez compliqué avec Assassin's Creed. Il y a du mal à vouloir aller où nous, on veut. C'est bien dommage. Bon, le souk, c'est pas loin, normalement. On y est déjà, en fait. On est déjà arrivé. C'est là, le souk.
D'ailleurs, pendant qu'on est là, je vais remettre des points de compétence. Ça, ça peut être fort, ça. Allez. À mon avis, on a encore pas mal à faire. Le bazar, on y est. Ça tombe bien et mal. Alors, il y a vraiment une zone où vraiment on n'a pas le droit d'aller. Hein. Ça, c'est sûr. Je serais pas étonné que c'est là où on va devoir affronter quelqu'un. Attention, hop là. Elle a du swag quand même, là-bas au bout. Salut! Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle leur a déjà échappé une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils s'enchériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possibles sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel. J'ai bien compris. Ouais, donc du coup, je peux être totalement foiré, là. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Afan Muafakan. Oh, bonjour. Avons-nous vraiment besoin de chance? Mais non, je t'ai amélioré en plus. Par contre, il doit avoir énormément de gardes. Est en train de pourrir, trésorier. On vole, on extorque les marchands, on malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu en es le cœur. Le poison que tu sécrètes emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'Ordre. On dit que tu convoites une épingle. Une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Dairat al-Mal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant. Et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. Bah donc, du coup, les amis, c'est vraiment... C'est vraiment quelqu'un de l'Ordre qu'on va tuer. Alors là, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait devoir justement aller un petit peu fouiller et voir un petit peu. J'avais plus d'espoir d'attaquer. Prête-moi ton regard. Ok. C'était quoi ça? Y a un truc qui brille là-bas? C'était de moi. Bon, du coup, on verra bien. On a un pouvoir bien plus cheaté, autant l'utiliser. Oh, dérobé, dérobé. Oh, c'est tentant, hein. Du coup, il y a des gardes. Je sens que ça va être plus compliqué que prévu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un vendeur là-bas, en tout cas, déjà. Machine, là, hein? Kong, j'aurais dû me douter que tu serais là. Ah, tu me connais bien. Aurais-tu des informations sur le trésorier? Quelqu'un qui travaille pour le califat. Le trésorier? J'ai bien quelque chose, mais tu le sais. Ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement. Oh, que veux-tu chiant. Que je fasse cette fois? Ah, tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas? Tu vois, petit pinson, le Dairat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de Kar, mais aussi, malheureusement, pour les voleurs. Quelqu'un t'a encore volé quelque chose? Une soucoupe précieuse en porcelaine. C'est Lucas qui l'a.
Il a toujours été jaloux de moi. Ah. Et où est-elle, d'après toi? Je savais que tu m'aiderais, petit pinson. Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal. Bon, je reviens. J'ai vraiment pas envie. Il commence un petit peu à m'énerver, celui-là. Mais bon. Pour le bien de la quête, c'est ce qu'on va faire. Mais vraiment, j'ai pas du tout envie. Tiens. Le petit pinson a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi. Maintenant, oui. Peu importe. Écoute bien. Je prenais mon thé de l'après-midi lorsque j'ai entendu deux femmes parler d'une commande qu'elles avaient réalisée pour le Dairat al-Mal. Il s'agissait d'une superbe tenue pour le trésorier, avec de fines broderies orientales. Ouvre l'œil et tâche de la trouver. Une tenue orientale. Merci, Kong. Le trésorier est probablement une personne étrangère, originaire de l'Est. Du coup, je sais pas si ça aide vraiment ce qu'il vient de dire. Là-bas, il y a la femme qui est en doré. On va essayer de la trouver. Alors... Oui, bon, souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. Bougez-vous, là. Vous voyez pas que vous gênez. Alors... Alors, mon personnage ne veut plus sprinter, donc à mon avis, c'est qu'on ne peut pas sprinter ici. Pour le moment. On va prendre les escaliers, alors. Hein. Soyons gentlemen. Le trésorier n'apprécie guère les retards, et tu le sais. Je répète... On ne peut pas faire plus vite, Yasai Dati. Cela ne plaira pas au trésorier, ni à moi. Je le sais. Créer un parfum est une tâche délicate. Nous faisons déjà de notre mieux. J'entends bien, mais cela ne suffit pas. Viens, allons parler ailleurs. Ces murs ont des oreilles. Cette femme a parlé du trésorier. Je ferais mieux de rester près d'elle. Le trésorier aime beaucoup la Kina, comme tu le sais. Et personne ne s'agace autant lorsque 3 dizaines de flacons viennent à manquer. Depuis que le port retient les marchandises, la fabrication prend plus de temps, Yasai Dati. Et certains incidents ont également compliqué notre travail. Bon. Normalement, c'est juste une filature. Et je suis vraiment pas doué pour les filatures. Et à mon avis, ils vont vite aller dans une zone où on ne peut pas aller... Oh. Hop là. Et si tu me disais exactement ce qu'il me manque? Le... sang, noble dame. Le sang est indispensable à cette senteur. Il fait de la quina un parfum si spécial. Il nous en faut absolument. Je vais parler au calife, voir ce que l'on peut faire. Mais la livraison au trésorier prendra du temps. Ce parfum, sur les lettres du collecteur d'impôts, il m'a semblé sentir du fer. Était-ce du sang? Cette femme doit être une intime du calife. Et vous? Salam alaikum, Yasaye Dati. Wa alaikum assalam. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre, Yasaye Dati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha. Et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal, et comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang? J'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais, à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la Kina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Oh, il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Basim. Basim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Dairat al-Mal, Yasaye Dati.
venu de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait Alcololo pour le trésorier. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères. Les enchères, elles vont bientôt débuter. Oula, oula. Let's go!